Salut à tous, j'espère que vous allez bien. 249€ pour 4Go de RAM et 64Go de stockage et 299€ pour 6Go de RAM et 128Go de stockage. Ce sont les prix du Honor 8X qui a été annoncé à Paris hier soir. Alors à l'arrière, il y a un dos en verre qui est vraiment magnifique, hein, il faut le dire. Et heureusement, il ne garde pas trop les traces de doigts, un petit peu, mais pas beaucoup. On note aussi un double objectif photo de 20 mégapixels, mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Alors la prise en main, elle est vraiment excellente, hein, justement, puisqu'il y a un dos en verre, ça ne glisse pas du tout. À droite, on a le bouton power et les boutons de volume qui sont tous les trois assez proéminents, donc c'est plutôt intéressant. On ne risque pas de les chercher comme sur certains téléphones. Et puis il y a un tiroir triple slot, ça veut dire que vous pouvez mettre deux cartes nano SIM et une carte micro SD, ce qui est vachement bien parce que vous pouvez tout mettre en même temps. Là aussi, on ne voit pas ça sur tous les smartphones. Alors en bas du smartphone, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il y a un port jack, ça c'est cool. Mais la mauvaise, c'est qu'il y a un port micro USB. Mais rien n'est perdu puisque dans la boîte du Honor 8X, il y a un bloc secteur qui est compatible avec la recharge rapide. Donc malgré le port micro USB, la recharge rapide à 2A est disponible sur le Honor 8X. Alors chez Honor, la gamme X, c'est en général ce qui permet d'apporter à des modèles de milieu de gamme des innovations qui sont super intéressantes parce qu'elles ont déjà été éprouvées sur des modèles plus haut de gamme de la marque. Et pour le 8X, Honor a donc proposé ce magnifique écran de 6,5 pouces avec un notch qui est assez petit, mais surtout un écran qui occupe 91% de la surface avant du smartphone. Alors il mesure 6,5 pouces, il offre une résolution de 2340 par 1080, il s'agit d'une dalle Full HD+, LCD, à Techno IPS qui offre une excellente visibilité en plein jour, même s'il n'atteindra pas les performances d'un écran OLED, mais ça c'est plutôt réservé aux modèles plus haut de gamme. Donc en haut il y a un notch qui est assez étroit et qui peut être caché en allant farfouiller dans les paramètres de IMUI, je vous avoue c'est pas toujours facile à trouver, et puis en plein milieu il y a un appareil photo à selfie de 16 mégapixels. À l'arrière un double capteur de 20 mégapixels avec une ouverture de 1.8 et doté de fonctionnalités de reconnaissance de scène comme les modèles haut de gamme de la marque. Alors attention, le deuxième capteur est un capteur de 2 mégapixels, il ne sert pas à faire des zooms mais il sert juste à calculer la profondeur de champ et vous permettre de faire des photos en mode portrait. En vidéo, à l'avant, on peut filmer en 1080p à 30 images par seconde. Je vous laisse juger de la qualité, mais on reste quand même sur un capteur de gamme moyenne qui donnera donc des résultats moyens. À l'arrière, on peut filmer en 1080p, mais cette fois-ci, on peut monter à 60 fps au maximum. Là aussi, les vidéos sont correctes, mais attention aux environnements un peu sombres, ça se dégrade assez rapidement. En vidéo, j'ai trouvé qu'il y avait un léger lissage, même en 1080p. Il est possible que cette fonctionnalité soit supprimée dans une prochaine mise à jour. En tout cas, les couleurs sont parfaitement respectées. À noter que la vidéo en 1080p à 60 images par seconde est stabilisée et la stabilisation est plutôt efficace. Pour les photos, j'ai quand même remarqué des différences de luminosité assez inexplicables. Parfois c'est un petit peu trop sombre et parfois c'est un petit peu trop clair. À mon avis, une mise à jour est nécessaire pour améliorer l'IA de l'appareil photo. Attention, comme d'habitude, le filtre beauté est réglé assez haut. Alors si vous voulez que vos images reflètent la réalité, vous pouvez le désactiver. Wow, c'est ma tronche ça? Comment on fait pour remettre le filtre beauté? Alors comme toujours chez Honor, il y a beaucoup de modes créatifs à disposition, dont le mode cliché nocturne, dont l'efficacité et la vitesse de prise de vue dépend à chaque fois de la puissance du processeur. Ici, il faudra poser environ 8 secondes pour avoir une photo en mode nocturne, et attention à ne surtout pas bouger, sinon la photo sera évidemment complètement floue. Alors globalement, la partie photo et vidéo correspond à ce qu'on est en droit d'attendre d'un smartphone à ce tarif-là. Pas de surprise, ni bonne ni mauvaise. On reste dans la moyenne. Alors au niveau du hardware, le Honor 8X est équipé du dernier processeur milieu de gamme que Huawei avait annoncé à l'IFA en septembre dernier, donc il y a à peine un mois, c'est le Kirin 710. Et il est donc accompagné de 4 ou 6 Go de RAM suivant la version que vous allez choisir. L'ensemble du hardware affiche un score de plus de 130 000 sur AnTuTu Benchmark et la batterie de 3750 mAh accepte donc la recharge rapide. Au niveau software, Android Oreo 8.1 est installé avec la surcouche IMUI 8.2. On aime ou on n'aime pas, mais au moins cette surcouche a le mérite de permettre une personnalisation du smartphone assez poussé. Malgré tout, on peut toujours regretter qu'il ne soit pas évident de trouver rapidement ce que l'on cherche. Mais comment on fait pour cacher le notch? J'arrive jamais à trouver quoi. À l'usage, vous pourrez sans problème vous éclater sur PUBG Mobile, sur Asphalt 9 ça marche aussi super bien, sur Angry Birds Go, enfin bref, tous les jeux auxquels vous avez l'habitude de jouer. À noter que pour certains jeux compatibles, le GPU Turbo fera aussi des merveilles sur le Honor 8X. Le GPU et le CPU sont efficaces, mais vous aurez surtout la possibilité d'en prendre clairement plein les yeux avec ces tailles d'écran tout à fait intéressantes. J'ai noté quelques ralentissements en jeu, mais il s'agit quand même d'une préversion du logiciel du smartphone qui sera régulièrement mise à jour. Voilà. Globalement, c'était ma première impression sur le Honor 8X qui a été annoncé hier soir. Je viens de passer une partie de la journée avec. C'est un bel appareil qui est vraiment très très beau et puis qui tient bien en main avec une finesse qui est assez intéressante et puis qui permet avec son grand écran d'en prendre plein les yeux quoi que vous fassiez, que ce soit pour la vidéo, pour la photo, pour regarder des vidéos YouTube ou pour jouer avec votre jeu préféré du moment. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre parce que j'ai la chance de pouvoir garder ce Honor 8X pendant quelques temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test avec une vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut !